Barbecue Jim Cherizier, parle. Haïtien Fremsem. Jodian, c'est exactement 13 juin 2024. M'a dit nous ça. Haïti sous route pour rentrer droite vers une guerre civile. L'homme prétend me prend ça pour m'entendre. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, jeune garçon qui passait 14 ans en dedans la police nationale d'Haïti, que Pierre Espérance fait monsieur vide devenu sale devenu journée aujourd'hui. Monsieur Gombagay en dedans cap manger, cap ronger, cap finavel, définitivement Barbecue prend couleur gang non, elle c'est plus gros criminel là, elle prêt pour faire n'importe zak qui parle pour faire là. Et c'est pour la première fois Jimmy Cherizier Barbecue assumé responsabilité dans un zak qui commet en dan pays. L'aime prend temps m'tendé déclaration monsieur dans dernier jour yo moi wè que pays a pral gon ben descend là-dedans. Et seul moun, seul haïtien qui te gen légitimité et qui te wè loin, qui sont leader conséquent qui rem Haïti, qui te wè loin, qui te prêt pour stopper ça k'ap vini an, li rele Guy Philippe. Et c'est seul Guy Philippe qui gen meilleure formule là. Et ceci sans hypocrisie avec fermeté. Guy Philippe t'a pris décision an, problème dans ta résoudre la moins que 90 jours. Ça pour pas la patapla. Ça pour ta dans prison, ap dans prison. Ça pour ta va collaborer pour réduction de peine, pour une réduction de peine ou on me lever, yo t'a joindre ni. Mais route que moi de go prend là. C'est route pour que yo éternel du fait. Mais par conséquent, volcan a toujours en éruption. Ça veut dire que même moun, même nèg, même femme qui dans politique qui toujours gen même stratégie ramasser zam nan des oligarques corrompus pour bay dans des quartiers populaires. C'est que même moun yo a toujours là, y a toujours chef, y a toujours autorité, y a toujours gros gagan, y a toujours là pour bay zam après au fin touye groupe monsieur armé sa yo. Et ben Barbecue Jim Cherizier c'est meilleur haïtien qu'on capable utiliser pour résoudre problème gang nan en Haïti. Moi même m'a dit ça très bien. Barbecue c'est moun qui mieux placé pour capable utiliser pour résoudre problème gang nan en Haïti. Par conséquent, une position pam par rapport avec comportement nèg avec zam nan pays d'Haïti et surtout dans démarche que nèg sont fait dans ça qui est pour à soi-disant révolution que t'a fait dans bloquer Portland, moi que si ça fait pas t'a réglé, me dit pas fait avec zam confiance et ça comme toujours dit nous gros que dossier qui est pour avec bataille nèg avec zam yo, m'pa courir monter sous lit. Ou pas jamais de contrôle nèg avec zam. Bataille nèg mosaïque, m'di nous clairement moi pas courir porter bourré sous lit parce que tout simplement m'pa ka cerner ça k'a fait là, m'pa ka gen bon jan information ça k'a fait là. Mais cependant, yo fait m'konn à plusieurs reprises oligarque combien te voye l'argent Barbecue, Barbecue te rejeté. Bataille là, même système nan embrasse bataille là et bataille vite semble yo gen bataille yo. Et effectivement, bataille là t'a fait pour yo. Mais là là plus loin yon pile bagay oui pour nous d'avoir questionné. Yon pile interrogation. Aéroport international fermé pour nous. Avion pas capoté peuple là. Mais avion, gros palto, gros gagan, capable de rentrer avec facilité. Ça montre que, gang nan, c'est d'un pourri. Les gens force sous bon ennemi. Parce que c'est terroriste koye. Parce que le bloqué porte, pas qu'il y a l'autre possibilité, c'est des terroristes koye. Mais yon pas d'apprendre prendre chance tout, parce que yon connaît gros maman ta privé. Et comme on t'a plein de bagages dans main yo, mais ouais que yo gen dan, yo gen dan pour ria, c'est sous banan mien que le gen force. On avance. Gen pile moun qui déjà victime. Et ça qui a passé dans Solino. On va parler de lui tout à l'heure. Mais maintenant quitte m'avancer dans ça qui gen pour ouais avec cérémonie et de l'installation nouveau gouvernement que Gary Conille comme premier ministre de facto définitivement dirigé. Gary Conille fait discours. Monsieur fait des gros déclarations. Nous tendez.
Il y a une liste de gens qui sortent dans le cabinet ministériel. Mais je dis très bien. Je entends environ deux personnes répéter non, président Jovenel Moïse seulement. Dans la déclaration, pendant qu'il a prêté serment comme ministre en dedans gouvernement. Je entends M. Carlos Hercule, je ne connais pas le nom. Je ne vraiment connaître M. Carlos Hercule. Je ne connais pas ce qu'il y a. Je ne vraiment pas un cas de lui. Et il y a une jeune demoiselle que si le monde sans honte qui était dans tête ministère affaires étrangères, là, tu osé écrire documents pour lui ou soi-disant, tu as dit, tu sanction contre lui, jeunes arrivés comme ministre affaires étrangères. Et lire le Dominique Dupuis. Meni, c'est un capoise, une femme haïtienne. L'irrivé, ministre, affaires étrangères et des cultes. Voilà. Et c'est lui-même qui remplace Jean-Victor Généus, Tigamoun, sans honte, sans caractère, sans dimension, vision ne peut plus. On route pour image. Haïti, à l'échelle internationale, ou du moins pour la diplomatie haïtienne. Jean-Victor Généus, un petit gamin sans caractère, sans vision, sans rêve, sans, comme si sans dimension. Demoiselle Sarah, pour moi-même, après passage, Claude Joseph dans tête ministère des Affaires étrangères, pour moi, c'est la plus belle tête que nous avons gagnée dans le ministère des Affaires étrangères. Une belle tête, une tête qui est bien faite. Ce monde qui nous suit de près, je vais faire un petit temps de tout à l'heure. Nous allons connaître plus. Mais moi-même, personnellement, honnêtement, je n'ai pas de pièce problème ensemble avec demoiselle ça. Son jeune qui a environ 24 l'année. Alors, 34 l'année. Pourquoi ça m'a dit ça là, monsieur? Et son jeune qui a environ 34 l'année, qui moi-même qu'on a suivi de près, et je vais le faire entendre tout à l'heure, qui est extrêmement important. L'autre monde dans le gouvernement, c'est des mondes que secteur politique et qui met Haïti dans l'état qu'elle trouve le jour aujourd'hui, ils ont même été pour être capable de faire comme pour aller à l'élection. Par exemple, Maurice Jean-Charles, il y a un bal dans le ministère pour gagner l'argent pour aller à l'élection. Et il y a un paquet d'autres encore. Gary Pony, alors Gary Pony, il y a un ministère de l'Intérieur. Ça qui arrive au jeune moun pour yon baili, mais et finalement, M. Kembe ça toujours. Ministère de l'Intérieur. Gagné ministère des Finances, c'est une dame qui n'en tête li. M'a kon qui est-ce que li est. M'a vraiment kon elle. M'a gagné de commentaires que m'a capable faire sous li. Et gagné ministère à la condition féminine, mon dame. Et n'a pas le cherché et bon gentil ancien sous li, parce que m'a dit un pile ou nou. Mais comme m'en connaît. Et puis c'est où nous gagnons Port-au-Prince, ou pas qu'à faire où nous ça confiance parce que c'est les où nous sans conviction. C'est des mouns qui payent. On groupe pour capable parler sous chat basse là, ils ont 20 000 gouttes d'aller, puis ils ont déjà tout le monde qui a une manifestation. D'accord? Ils ont déjà à bas, de mis devant même groupe pour nous, ou l'autre pour nous payer 40 000 gouttes, et puis ils ont déjà tout le même groupe pour nous qui a pris à bas aujourd'hui, de mis devant où ils vivent. C'est comme ça, et ça que ça, où les têtes militants sous chat basse là, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. OK, c'est pour la chef Haïti pour ça on pas jamais fait ça dans pays encore parce que ça yo cap ça l'image de masse là n'a nettoyer espace là complètement et très bien t'a pas pour faire et problème yo gain t'a pas problème pour faire et travail au besoin l'état t'a créé pour travail pour ba yo on avance Dominique Dupuis et nous allons parler de lui tout à l'heure et n'a faut retirer sur écran docteur Gary Koni premier ministre de facto Gary Koni m'dando et Haïti, pas de chance avec mode dirigeant qui gagne un genre de comportement. L'homme qui a parlé, ou pas une cadence, on dirigeant dans le pays d'Haïti. Ou pas montrer que ou son monde qui gagne et qui a campé pour prendre décision avec fermeté. Ou pas montrer ça. Ou montrer qu'on sonne Cap Vin là, même j'avais cru de Préval, passer prendre ma passer chez Chou,
peuple a dit qu'il y a un problème, qu'il y a un bel discours aujourd'hui, monsieur Dieu, il fait tout à fait l'intérêt groupe monde que le pensé capable de financer manifestation de Bikrasé Brise Kotli. Je senti ça. Gary Koni, jodi a m'abdou ça encore une fois. Seul moyen pour conscience ou en paix, pour quitter non ça Koni, que docteur Koni qui c'est papa ou, te quitté pour ou. C'était docteur, c'était médecin, docteur François Duvalier comme c'était. C'est donc Duvalier Ris, papa ou te yé. M'abdou docteur Koni. Souvle fond bagay, là, nan mi tan les assassins de Jovenel Moïse. Qui en dedans coulève cette traite là. Sous besoin font bagay, m'abdou sa docteur Koni. Ou gen pou devoir déclencher yon opération à travers SNGRS, CNE, TPTC pour propter zone métropolitaine de Port-au-Prince avec camion l'État, personnel l'État, technicien l'État, tout l'argent l'État. Pas bay personne contrat, ça c'est un. Deuxième bagay, qu'on doit faire? Déclencher yon opération qui pral déboucher sur yon commission de vérité qui pral mener nous droite vers yon véritable dialogue avec des moun que nous estimons qui capable de nous mettre la paix, stabilité dans le pays pour nous retirer zam dans mes criminels, dans mes assassins, dans mes gangs sales, ça yo, kap touye moun nan Port-au-Prince la. Mais pour faire, ou gen plusieurs formules qu'on capable d'utiliser. Ou gen plusieurs formules qu'on capable d'utiliser. Si que, ou ta va décider pour ta normalement faire un bagay et dans tête primature là. Mais comme, façon comme moi stat là, j'aime te dire, m'pa pral combat, m'pa pral contre-carré, parce que ça que moi fait là, j'en le fait là, stratégie de combat m'pa pral permettre moi camper pour me battre contre tout. Non, m'pa fait ça. M'a fait exactement même j'avec leader commandant Guy Philippe a fait là. Nous pas prendre nous sous largeur, peuple a prendre sous longueur. Et pas l'autre possibilité, peuple a va prendre sous longueur. Et faut que peuple haïtien parel pour prendre monsieur sous longueur. Parce que nèg yo enclavé Port-au-Prince là, yo fermé moun qui était capable prendre la rue pour démanteler gang à sapate, gang à cravate yo. Yo fermé population pour peuple pas ka sorti. Ça vient faire que population civile là ou pas ka compter sous lit pour t'avoir démanteler coalition gang dans Port-au-Prince là. Et mais seul moyen c'est venir avec un dirigeant qui gen caractère, qui gen couille, qui gen rein, qui gen conviction, qui pas peur mourir, qui capable prendre tête par le national, prendre tête pays d'Haïti, pour que nous capable débarrasser pays ça de tout monde qui a fait peuple ça mal. Docteur Koni, m'pratam mwen prend sam pour m'tande déclaration yo. C'est que m'pral partager avec peuple souverain. Et m'pral faire peuple souverain entendez ou? Parce que gen pile cause qui dit. Moi même gen pile bagay pam pour que m'a dit sous intervention Paul. Entre-temps, m'pral courir faire population hein? Naturellement, tendez, yon parti l'an et discours là qui est extrêmement important pour que moi faire public l'entendez. Mais j'aime te dire bataille pays pas kon facile. Mais c'est moun ki gen cœur, c'est moun ki gen nam, c'est moun ki reme moun, c'est moun ki reme Haïti d'abord qui capable font combat pour aider Haïti sur sa quelle trouvé là. Docteur Koni, ou fait intervention hein? Et que m'pral permettre grand public là tendez tout de suite. Mais entre-temps, quitte m'avancer sous et avant que me fait nous tendez. Oh docteur Koni, et m'a dit nous ça. Ou même qu'a vive dans Port-au-Prince. Rend tête nous service là. Rend famille nous service là, rend maman nous service là, fait service là. Fait tout effort que nous capable pour nous débarrasser nous de Port-au-Prince là. Ou même qu'a vive dans zone Solino. M'a demandé ou fait tout effort qu'on capable pour qu'on retire corps
dans la zone Solino. Fait tout ça qu'on capable. Ou même qu'a vivre dans la zone Delma 24. Fait tout effort qu'on capable pour capable quitter la zone Delma 24. Parce que tout simplement, il y a un pile policier qui prend l'argent. Et c'est des policiers Udmo, Utag, qui prend l'argent. Nommé des hommes d'affaires. Et soi-disant secteur privé, qui s'annoule les oligarques. Que Jimmy Cherizy avec les gangs, yo boule maison machine yo en bas. Yo déposé de sa te en bas. Nan yo besoin touye yon green moun li rele Jimmy Cherizy alias barbecue. Et que yo dit catégoriquement, depuis yo touye barbecue, yap gen contrôle tout reste gang yo. Parce que gang yo gon facilité pour yo diviser, yo kal yo pral faire capital politique yo ensemble avec yo pour yo gérer problème nan. Mais yo dit moun, yo estime, qui fait tout gang yo mette tête ensemble parlons seule parole là, li rele Jimmy Cherizy. Mais tout projecteur li fixé sous Jimmy Cherizy alias barbecue. Mais gon groupe policier qui décide prendre l'argent. Que ce soit nommé France LB, nommé oligarque corrompu, pour mener opération, pour t'avoir assassiné Jimmy Cherizy. Et c'est dans le contexte ça, trois policiers yo arrivés assassinés. Et m'a dit nous ça très bien. C'est des mêmes policiers ça yo qui t'a mené opération pour te assassiner commandant chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là, qui c'est commandant Guy Philippe, ancien sénateur de la République. C'est même policiers ça yo. Nous avons cap mené opération pour aller tuer barbecue wa, c'est même policier qui a mené opération pour te tuer commandant Guy Philippe et c'est yo qui t'a assassiné 5 agents BSAP sur les champs assassiné lâchement et puis prend l'autre yo al piquer tête yo avec couteau dans commissariat de Pétionville là des policiers qui dans Utag qui travaillent nos commando nos escorts de la mort que France LB a dirigé c'est des assassins notoires c'est des criminels notoires et même toujours dit Kama li existait. Et ce jour-ci, Kama pra pas printemps, Kama gon jan ke fonctionne. L'on touye petit paysan, touye petit paysan, paysan gen possibilité pas li même pour le défendre tête li. Seul moyen, si al nan bouda pied bois, al nan bouda pied bois, prend Bibli, li prier dans l'église, ou bien nan bouda pied bois, li jete de l'eau, li lui met baleine, et puis il prie pour ou. Parce que l'on prend plaisir ou tuye 5 agents BSAP, comme jeune garçon qui est dans Utag, yon unité qui dans la police. Ou mélange avec gang que France LB ou tuer agent Itagio, gon bagay, bon Dieu t'es là. Ton est boulem, la vie ou pas prête pour tout le temps parce que, jeune garçon kotouye yo, yo gen famille. Yo se moun même javou, et yo se haïsse même javou. Lo assassine yo, kone que la nature kon chèque elle fonctionne, et quelque part, la bonne des réponses proportionnelles par rapport avec Zak la. Et n'a regardé, c'est jeune de touye besapio, c'est comme ça nous tout a fout passer parce que nous trois méchants. N'a fait job sale pour criminel pendant que nous gen famille nous gen vie nous pas respecter vie moun nous tuer besapio mal monsieur nous manger besapio mal monsieur et puis nous penser que la nature pas répondre nous et nous penser que seul moyen pour nous redresser situation c'est faire profil bas pas jamais faire job sale pour criminel pas jamais faire job sale pour assassin à l'assassiner monde de bien encore parce que crime qui fait soit jambe sapio crime qui fait soit jambe sapio pour Dieu dans ciel là well. Et famille Mounio, Dieu dit ça pas prêté impuni. Surtout, agent Bessap qui sorti dans le département sud-est, plus précisément dans le département Belanslan, tchot, nous tout yé ya. Qualité cérémonie que yon fait, qualité cérémonie que famille, cadavre ça fait, ne quitte met zam dans tête, monsieur tout yé, monsieur ya, en vérité mon Dieu, ou pas ka vivre. Pas que moyen au monde pour vivre. Et pas que yon dit, pas que yon dit, c'est pas yon nan nou, c'est pas yon nan yo, ou bien c'est pas lui même. Qui passait dans 2024. Parce que nous faisons trop de crimes, monsieur. Comme des policiers. Et je dis ça aujourd'hui. Vous êtes tout d'ailleurs, c'est capteur de maintenant. Comprenez ça. Il y a des crimes qui ont fait dans le pays d'Haïti. L'on pense que c'est gang qui a fait. C'est des policiers qui rejettent un véritable gang pour tout le monde, pour des hommes d'affaires, pour des hommes politiques, pour des hommes qui sont dans le secteur, qui dans le secteur soi-disant, droits humains ou bien société civile. Nous tuons trop de monde dans le pays. Nous faisons trop de crimes. Et là, nous faisons crime ça. La loi du karma, li existe et la frappe nous très très fort. Parce que nous méchants trop. Crime nan gros côté doit arriver, faut qu'il suspende. Nous pas accepter ça, monsieur. Nous pas tolérer ça dans nos pays. C'est nous-mêmes comme policiers qui livrons président de la République pour 2000 dollars américains. Nous livrons président de la République que nous la pour bay sécurité. Nous fout bay touye président comme des policiers. Depuis le samedi moi-même. Me dis moi-même. Nous avons plus d'amis qui sont policiers. Et c'est yo qui explique 1, 2, 3, 4.
Quelle qualité vol qu'a fait dans la police? Qui j'en ai yo volé? Qui j'en ai yo vicieux? Qui j'en ai yo gang? Je conseille des policiers, Zamim, qui viennent dans Biden. Je rencontre avec monsieur aux États-Unis d'Amérique. Monsieur, les nègres expliquent ce qui a passé dans la police. En vérité, mon Dieu, ou même comme haïtien, de bouton un policier dans le presse, ou pas connaît, ou t'as souvent répété courir. De bouton un comme si on bat police, a sorti dans une tabac, dans une Delma. Sou pas connaît yo, ou t'as souvent cherché un trou, bien faux fouillé tatou, parce que ou tout dit, mais escalou la moua, mais groupe terroriste la, mais groupe kidnappeur, a privé sou. La police la gen dans kidnapping. La police la gen dans kidnapping. La police la gen dans trafic zam. La police la gen dans trafic bal. La police la gen dans fait couverture pour gang kap kidnappe moun. La police fait gros business avec vite l'homme dans kidnappe moun dans commune Taba. La police est allié sur de 400 maozou dans la plaine. Y a kidnappé, y a tué, y a vendu bal, y a vendu zam. Messieurs dames, sont la police qui catégoriquement fini. Par conséquent, nous avons pile bon agent là-dedans. Moi même qui des policiers qui expliquer me des bagailles. Pas qu'il possibilité nous pour faire police confiance monsieur. Rete! Et m'a dit nous ça. Raison qui cause ouais gang, pas vouloir la police ou prêt pour tout les policiers à n'importe quel moment, c'est parce qu'il y a trop policiers qui rentrent dans gang non. Cap kidnapper mon capre les gang nan patron boss moi. Cap porter zam pour gang non. Pendant gang cap tuer moun dans société ya. Des policiers a fait zak sa yo. Et bien, je dis, je viens de dire ça que ça, l'offre, yo n'a pas prêté impuni. Nous livrons un président de la République en fonction pour 2 000 $ américains. Chaque policier prend 2 000 $. Nous foutons bail un président. Ah, monsieur. Chaque policier prend 2 000 $ américains pour livrer un policier. Monsieur, c'est vrai. La nature a gardé nous. Même si Kama pour arriver sur nous, mais pas oublier. La passe ou quand même. Elle pas prendre l'âge quand elle doit mourir. La prend jeune garçon. Président Jovenel Moïse. Mais viens pas là, non. Aïe, aïe, monsieur. Chaque fois que je regarde bagay là, je me frise. En nous regardant au président, que policier ont livré. Que pour la police nationale d'Haïti livré, bah manger. En nous regardant, avec un pile intérêt, président Jovenel Moïse. Mais c'est un pile effort. Mais c'est une volonté réelle pour les deux autres dans ça. On nous faut garder avant que nous rentrions dans le discours PM de facto Gary Conille, sort fait hier, qui était 12 juin 2024. Là. Et nous voulons le discours M. Carlos Akil, ministre de la Justice. L'important pour nous donner le tout. Mais Gary Conille, papa, mon cher, nous devons être en monsieur. Parce que monsieur parle. Mais sauf que, là, monsieur parle, il y a son chef qui a parlé. Ou un gars qui est son chef, quelque part pour moi-même, qui est le pape qui autorité. Pour moi, qui est le pape qui autorité. Mais entendez, président, qui est livré avant que je rentre dans la cause. Je dis, c'est exactement 13 juin 2024. Je dis nous bonjour. Bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est le. Attendez nous et regardez nous encore une fois. C'est un plaisir pour moi. Pour que je m'en avec nous sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme qui est pas chère. Plateforme YouTube, InfoBetoa. Partagez, commentez, like, abonnez, si nous pouvons abonner. C'est extrêmement important. Si vous attendez ou regardez, pressez abonner avec la plateforme parce que vous n'avez pas grandi famille. Il est obligatoire pour que vous rentrez dans la famille. Ça, si vous acceptez, attendez InfoBeto. S'il vous plaisir, rentrez dans la famille. Il va vous dire un jour. Qu'est-ce que là? Moi, je vais en pile. En attendant le président Jovenel Moïse, nous allons tourner dans quelques. Alors, dans environ 2 minutes. Attendez, très intéressant. A qui te se moun mwen voye? Sa vie, c'est nan département la Tibonite, sa vie. Sa vie, pa non l'autre côté nan pays. Mba ka kampe pour 20-30 nèg décide yo di se yo qui pou dirige un pays que nous te bon dirige. C'est nous te bon dirige. Sa me di, c'est sa menem la. Mba kon pe. Nous pas qu'on peut charge de devant moi. Nous devons charge pour me diriger nous. Mais ça qui a passé dans la vallée la Tibonite, je dis, nous chaque qui l'a nous comme ça, c'est parce que une série de monde, chaque bon morceau vallée la Tibonite dans la poche. Je dis, nous voulons nous connaître, morceau vallée la Tibonite, ça, qui n'a pas une série de monde.
Si vous ne pouvez pas mettre sous table pour nous parler ensemble, pour vous devant moi, je vais prendre dans la poche pour mettre sous table pour la sécurité dans la Tibonite. C'est ça que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Comme dis-nous ça, nous ne pouvons pas voter pour nous courir là nous avons un problème. Nous ne pouvons pas voter pour nous rester dans le palais. Nous devons être dans l'inconditionnel, nous avons un problème. Nous devons laisser la pape marcher pour venir tendre nous, pour venir devant nous. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir et nous voyons tout ça qui a passé. Nous voyons, nous vivons. Nous voyons agir par nous. Je dis, la réforme qui a fait dans le pays, ce n'est pas moi-même seul qui va le bénéficier. La réforme, ce n'est pas moi seul. Et c'est pour ça. Nous, ouais, yon passe par toute bagaille. Jodi a, yon sorti dans le pays lok. Yon tombe dans tout ça, nous connaissons. Jodi a, nous, ouais, c'est pas les âmes que nèg yon vini pour yon empêcher peuple à vivre pour soulever le côté. Jodi a, m'a dit nous ça. Moui vin là, cette histoire de moun baldim, directeur X, directeur Y. Alors, motion, président. Yon passe par tout moyen. Manifestation, pays lock, kidnapping, boule pays, boule bio l'état, monte photo section 9, et puis yon vient au niveau yon baye zam tout partout dans le pays, pour faire qui ça, pour déstabiliser le pays, juste pour yon capable vous un message à la communauté internationale pour dire que Jovenel pas qu'à diriger le pays. Messieurs, dames, mes groupes moun yon qui assassiné président, mais je dis encore une fois, yon gen pouvoir dans le pays. Après 33 mois, Ariel, mais même coalition d'assassins qui assassinent le président, mais ils prennent pouvoir dans le pays d'Haïti. Mais ils ont. Mais je dis, c'est tout secteur net qui organise qui prend pouvoir. Ça veut dire que le peuple a dû prendre note bien de ce qui a passé là. C'est Lavala, c'est Fusion, c'est OPL, c'est Unité, c'est Vérité, c'est troisième voie de Boulos dans le pouvoir tout. C'est Dimitri Vob, c'est oligarchie, tout le pouvoir net qu'on est, tout messieurs qu'on est qui gagne pouvoir dans le pays d'Haïti. Depuis 30 ans, yo kap kache yo, yo tout jodi, yo paraît tout koyo, c'est yo qui gagne pouvoir après yo fin assassiné yon chef d'État en fonction. Et mais jodi, m'a dit comme jeune garçon, kap tande m'kap gade m'la. Nous même qui peur politique, si qu'on rete dans la zone de confort là, ou pas mettre tête au dehors, pour prendre engagement par ou là, ou pas jamais capable vivre dans le pays ça, voir pour ta du coup à la l'aise dans le pays ça. Sous dehors, ou pas mettre mon en patte là, jamais mettre mon en patte là. Ou pas jamais rentrer dans le pays parce que gon groupe de nèg ki la yo même yo rassi. Yo pour comme si yo vinn tourner rad do calé dans politique, c'est yo seulement capable ministre, c'est yo de premier ministre, c'est yo de président, c'est yo qui dans tout droit ministre, qui c'est yo dans tout ministère, dans toute direction générale. Pour continuer détruire pays là. Dans sens ça m'a dit ou même comme jeune, prend toute disposition, organiser ou pour permettre que pays ou sorti dans sa que trouver là, ou capable. Ou capable parce que nous montrons qu'on est capable. En nous bataille. Si nous avons trouvé un président, c'est parce que le président a fait vraie route là. Et bien, je dis, nous ne pouvons pas parler plus de ça, oui. Mais entre temps, on courir, entrer dans le dossier qui est d'actualité. Et intervention, et PM Gary Conille. Et bon, en pile, on a parlé de monsieur. Nous dit clairement, nous pas capable pas et pas fort entendre. Vous comprenez? Et Gary Conille. OK, nous pas capable pas faire le marché. Et nous pas capable pas faire le marché, c'est très intéressant pour que nous capable organiser nous. Et docteur Gary Conille ou doit entendre l'intervention que monsieur fait et qui en pile monde estimé qui sont belles interventions. Et docteur Conille, monsieur, vous estimez que monsieur fait une belle intervention que moi-même décidé pour que naturellement moi partager ensemble avec nous. Nous prenons le passe pour entendre docteur Conille. Faut que nous commencions à marcher sur le chemin de l'État. Maman, nous, moi crie Haïti, Haïti relève, mais moi. Il y a une petite parole qui dit, ou mettre Haïti, Jean-Lia, vit bon vous sans une maladie.
pour le moins respect que j'ai pour le pays, depuis que j'ai commencé à avoir un esprit, c'est une grande honneur pour moi, pour me porter coller dans le soutenir, pour me tourner camper sous pied. Pour nous faire ça, il faut que nous commençons à marcher sur le chemin de l'État qui chita sous droit à justice, démocratie et développement. Je commence à dire merci à tout le monde, tout le groupe, à One Bade. Que ce soit la société civile, ou sinon tout l'autre côté, qui te recommande ma soutenir candidature pour poste Premier ministre. Choix ça a montré, il y a une confiance dans moi. Et nous, nous ne pas faire nous honte. Tendez ça me voter dans Jacoutmé. Et puis choisis dans mes temps quatre autres compatriotes qui ont en pile qualité à mérite tout. Est-ce que nous entendez bien, mes amis, frères et sœurs? Nous ne pouvons pas cacher la maladie pays. La maladie, non. Il faut que nous reconnaissions qu'il n'y a pas porté le bien même. Nous faisons, et nous faisons, nous faisons que nous cherchions un remède pour lui. Dans l'état lié, il faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Il faut que nous bon tout la volonté nous et il faut que nous bon tout la honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, il a été mis dehors, même le dans le pays. Le groupe monde qui plus souffre, généralement, c'est les paysans. Il y a toujours un problème social. Mais je ne dis pas, après plus passé 200 ans, la société nous a gagné net. Les gens ne peuvent pas vivre dans la paix. Les gens ne peuvent pas circuler libre et libre. Si les gens ne peuvent pas aller à l'école, les marchands ne peuvent pas vendre produits pour prendre soin de la famille. Les bandits ne peuvent pas marcher tout le monde, leur ouvrir, j'en ouvrir. Ça fait monde pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter le pays pour y partir. Même là qu'on est l'autre bord pas douce, pays étranger pas paradis. Je dis il y a qu'à jouer un travail et puis vivre tranquille. Ça une chaîne sociale. Moins comprendre et moins entendre. C'est pour ça que je suis là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, voué au service d'autrui et à la République. Yes. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables.
et l'instabilité politique sapent les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple. Alors, je vous rappelle que nous avons le Premier ministre de facto, Gary Conin, qui est dans la cérémonie d'installation, alors gouvernement là, qui te prend la parole et qui t'a fait discours ça. Mais je vous rappelle que je pense que, bon, naturellement, tu as gagné étranger là, des gens qui, franchement, et code diplomatique là, whatever, groupe moun nous connaît, Bon, franchement, mais dans le pays moun sa yo, il ne va pas aider langue pour Haïti, faut dirigeant. Et parlons langue pour étrangers. Après ça, il faut le dire. Des grandes paroles pour moi. Pour quel grand monde n'a pas dans le pays d'Haïti? Pour quel grand monde? Mais nous avons un discours en Haïti pour les Haïtiens. Nous rassurons que nous faisons 90% de discours en français. Par contre, pour qui est-ce que nous parlons? Pour qui peut-être nous parler? En outre, le docteur Cariconi qui a quelques interventions qu'il fait en créole tout. Mais en pile dans le discours en français. En avance, docteur Cariconi à l'appareil. Pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024. Qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des trois policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Bon, vous dites lâchement assassinés, mais je pense que... policier Itag yo papa être chargé, c'est la vie. Oui, je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation,
nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de... Je retenir ça, faut m'attirer attention sur ça. Premier ministre Gary Conné dit tolérance zéro dans affaire corruption. Gary Conné qui est pour côté lié là ou bien monsieur et PM là. Ya comme discours ça yo. Peuple attendait en pile. Il va faire peuple ni chaud ni fret. Nous attendait en pile vrai oui, ça se comprend. Il va faire nous ni chaud ni fret pour tout bon non. Et en tout cas, tolérance zéro dans affaire corruption. En tout cas, docteur Conné bam kito balé, bam pa couper. Parce que peuple après commenter là. Alors nous ka commencer commenter parce que naturellement connait nous gain pile pour nous dire là. En avance. Responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque goutte dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun, et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes, incluant la distribution de denrées alimentaires
et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'appelez pas les peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que l'alpifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Ok. Pour soleil la vie, n'ta ebada. N'ta ebada. M'a dit nous ça force conviction. Et bon PM n'a qu'elle est pas fine toi en forme et lui ont déjà soufflé, bah connaît. Et parce que monsieur t'a supposé organiser lui pour que c'est même la vie pas gagne qui plus important que la vie. OK? Peut-être monsieur qui a qui volonté réelle, m'a dit ça. Monsieur peut-être capable qui volonté réelle pour le travail aider. Mais cependant, faut qu'on campe, faut qu'on doubout. Bon, dans le langage grand maman, et paysan mio, faut qu'on doubout pour qu'on campe, pour d'avoir fait face avec les défis qui ont dit. Que tout, nous tous connaissons. Faut qu'on en santé. On nous continue à attendre des déclarations PM, non? Mais nous voyons que M. Pafino Moun qui trop en santé. En avance, nous sommes capables de souligner ça. Et un peuple qui fait l'histoire, le monde changé. Nous sommes parmi gros peuples sous la terre. C'est pitié, pitié, mais nous pas pitié. Depuis le peuple qui a été fierté, depuis que nous avons force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, nous avons arrivé loin. Pour moi-même, moi ba nous garantis que moi paré pour me goumer. Pays a tout paré pour m'goumen. Pays a tout m'en pour m'kore conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout haïtien qui vive à cœur posé dans un pays qui unit, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble à poté coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frem, Sem, haïtien tout partout sur la terre. Moi voulais couper bien bas pour me remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile ça côté l'espoir te voulais faire. Nous une mission pour changer ça avec peuple là.
femme yo, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous voulons faire ça nous capable pour faire lumière, vin lumé, pour faire l'espoir bourgeonner. Moi je veux prêter parole poète René Philoctète qui t'a expliqué toute raison qui fait lié attaché à Haïti pour m'ajouter que c'est parce que l'inspire l'amour et lui fait croire que pas grand rien qui est impossible le nous mettre tête nous ensemble. J'éprouve un réel plaisir à procéder. Voilà, c'était docteur et Gary Conille, actuel premier ministre et pour gouvernement de facto a, et qui te prend la parole dans la cérémonie d'installation et côté que alors m'a souligné ça, c'est extrêmement important. Côté que l'apprécier lettre d'ampliation. Ampliation. Et c'est ça, et qui sont preuves tangibles qui montrent que Rosemont Jean, t'es gain raison, ok? Le Rosemont Jean te dit non, Ariel Henry, c'est Badjo, te voué prendre ampliation, en d'un cas président, le Badjo, t'as touye président. Avec du web bagay là, Ariel, comme on kotoye, États-Unis, on connaît aucun beau, dossier Jovenel Moïse là, aucun beau pour Ligasom. Ou pas pral Haïti, y'a pas mal au dossier, y'a. On a trouvé président pour tout bon. Et quel que soit Jean, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Nous comptons de causer. Moi-même, de ces Jovenel Moïse, ça. Nous avons kembe pendant 35 mois. Maman petite, mette comment c'est ma revente. Maman petite, si Jovenel Moïse, c'est ton petit mis en garde, nous mettons rete, croise bras nous, pour un plaisir. Nous. Mais Jovenel Moïse, ça. Nous avons un problème. Nous mettons 3 ans, Bambi, les gagote. Et tôt ou tard, Abraham a dit c'est assez. Parce que, Diblosé à la gueule pour le fini. En outre des présidents, Koulev 7 traite là, plus 2 traite, Fenef traite là, et Edgar, et oui, Gadi Leblanc, Edgar Leblanc, fils, qui te prend la parole tout de suite après, et PM Gary Conille. En outre Edgar Leblanc. Au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Gary Conille, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître
l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bal de Delma. Hypocrisie totale. Et c'est ça qui finit avec la société haïtienne. Garry Conille, premier ministre, mandé une minute de silence. En mémoire, trois policiers UTAG qui assassinés en dedans Solino et Delma 24. Mais par conséquent, le pape jamais dit nèg k ap vann zam avec balio pour qui ça va continuer vendre dans pays ya. Yo fout dans Pétionville là. Et c'est yo même qui dans secteur privé des affaires là. Yo pa jamais questionner nèg sa yo. Kap vann nèg sa pat la zam nan. Nou pa jamais résoudre problème nan. Hypocrisie totale. Edgar Leblanc a prendé une minute de silence. Hypocrisie totale. Même comme si c'est ça me raï la caille. Bonne vermine ça qui cause nous que Haïti pa jamais saute dans ça tout autre que c'est mal propre ça yo k ap vinn diriger dans pays d'Haïti. Et c'est seul qui flip qui te ka fal. Malheureusement, nous avons peuple Port-au-Prince qui croit dans mille goud, qui croit dans pays ban rara, ban petit moi mettre dehors pour me prendre la rue et vivre là-bas. Guy Philippe pas dans ça. On peut pour supposer prendre dimension histoire parce que peuple ça nous supposer là n'a font bataille. Nous font bataille à la rue comme si dans dimension histoire nous comme peuple. Sri Lanka saute fait en 2022. Yo font poté bourré, yo déchouqué. Une équipe dirigeant qui est estimé qui pas travaille pour pays, qui pas travaille dans l'intérêt. Yo déchouqué yo. Yo mettez yo dehors. Yo retiré dans pays. Alors nous même nous camper n'a regarder, une équipe sans ave, une équipe volé, une équipe gang sale, une équipe vicieux, une équipe sans coucha qui vient rancer dans colette pour nous. Et puis nous camper n'a bêtiser. Chita rancer là et puis il y a qui gain là. Rancer. Hypocrisie totale. Nous pour qui ça nous pas font? Ok, font discours dit clair. Nèg k ap vann zam avec bal nan peyi an, à partir de jodi. Moi-même, comme premier ministre Garry Conille, moi dit que nous devons mettre un frein dans nèg k ap vann nan trafic zam k ap fait nan peyi an. Nous pas jamais ka dil, c'est parce que nous connaissons. Nous connaissons, nous quittons nèg a continuer à faire business li, la vann zam nan ghetto a, zam nap touye policier, zam nap touye malheureux malheureuse, la touye tout bon moun. Et puis nous kampé nan rancé nan tête moun. Hypocrisie. Continue à faire discours parole en l'air, rancé. Moi même pas n'a pas ça avec moun. Tolérance. Nous connaissons menton n'a bay. Nous connaissons bien et menton n'a bay. Vini rancé dans tête moun. Pas grand excès n'a vinn di. Vini rancé. Et gagnen premier ministre qui t'a présenté et ou du moins t'a installé ministre justice là. On nous faut attendre docteur Koni qui t'a installé maître Carlos Ekil comme nouveau ministre de la justice et de la sécurité publique. Et qui t'a remplacé, madame sans honte, sans gouin, volé, vicieux, sans coucha, lougaou, maman volé, sacré, Emily Prophète Messia. En nous tendez, et bon moment volé, ça lui même. Bon, franchement, monsieur, oh, aïe, 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 madame territoire perdu ça. Moi, ça, j'ai un bon monde qui arrive chef Haïti. Moi, ça, j'ai un bon monde. Bon, même, pendant que t'as installé à seulement un porte, là, t'as pris sous contrôle. N'a pas mis ton commando policier solide qui t'a vécu, est-ce qu'il a quitté le pays? Et bien, qui t'a payé ça, mon gouin de fond, nous? Ben voler côté nouyé. Franchement, man, on avance. Les actions et les dispositions adoptées ont été en deçà des attentes et ont alimenté les incompréhensions et les critiques malgré vos efforts et malgré vos engagements. Cependant, au nom de la République, je veux remercier Mme Prophète pour ses services à la tête de ce ministère durant cette période très difficile. Je note non sans intérêt, que sa tâche n'a pas été facile dans un contexte volatile où chaque action posée est vite dépassée par un événement qui avilie notre État et tente de décrédibiliser davantage les autorités aux yeux de la population. On voit surtout les manquements, mais on ne valorise pas assez les efforts et les sacrifices consentis pour éviter une calamité encore plus grave. Je crois que l'histoire retiendra que la ministre Prophète et son équipe, vous avez été courageux
et vous avez su résister de manière ferme à la barre pour vous assurer de la continuité du service public assuré par ce ministère. Monsieur le ministre, mon cher Carlos, en vous adressant mes vives félicitations pour votre désignation au poste de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je voulais mettre en garde qu'à partir de cet instant, tous les regards convergent vers vous, ainsi que les attentes. Désormais, une nouvelle figure, une nouvelle cible à tenir responsable des problèmes de sécurité. Problèmes y ont en pile et y ont tout côté dans le pays. Moun y ont souffri, prison y ont crasé, la y a chargé moun qui était dans prison, qui était doué dans prison, qui a continué à simer la troubaille et mettre de l'eau dans la population. Je me rappelle que chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde va demander contre le ministre de la Justice. Là. Il y a bien raison, parce que l'État paye pour porter réponse à ce problème. Je connais déjà pas facile. La situation a vécu plus mangomé dans le moment. Le problème avec le fonctionnement dans le tribunal, pas qu'à dans tout le commissariat, doit être priorité depuis qu'on y a. Je sais que les attentes dépassent très largement les moyens disponibles. La patience de la population arrive à sa fin. Mes amis, il faut de l'action. Et ceci tout de suite. Il faut des mesures fortes, il faut des mesures graves. Il faut des dispositions claires et des engagements fermes pour restaurer la confiance. La confiance des employés, la confiance de nos vaillants policiers, et enfin, et surtout, la confiance de la population. Ce terre de changement qui traverse la population est un sentiment qui peut être passager si les actions concrètes ne suivent pas, et ne suivent pas très vite. Il doit servir de leitmotiv pour fédérer toutes les énergies afin de casser le cycle infernal de nos peurs et de nos malheurs. Monsieur le ministre, vous prenez vos fonctions dans un contexte où plusieurs de vos collègues ne peuvent même pas accéder à leur bureau. Certains locaux sont carrément inaccessibles, incendiés ou saccagés. Il faudra rapidement restaurer la présence de l'autorité de l'État dans les espaces de présence et d'exercice même de l'administration, mais aussi dans l'ensemble du pays. L'État ne peut ni ne doit perdre de territoire. Il vous faudra du courage pour affronter les auteurs et les corrupteurs de ces incuries. Ceux qui, dans l'ombre, ont conspiré contre la nation doivent répondre des conséquences de leurs actes. Pendant longtemps, l'impunité a alimenté la chaîne criminelle qui sème le deuil et la désolation dans les familles. La population attend des signaux clairs et forts contre les artisans de nos malheurs. Vous devez troubler leur sommeil. Ils doivent savoir que l'État s'est relevé. La République est debout et est déterminée et résolue dans sa ferme conviction de garantir la sécurité de l'innocente et l'innocente liberté à tous. Pour moun qui t'a bambilé, frappé, blessé, touillé à complicio et cocodayo, mabdio, que saison pour a fini. Et PM n'a dit pour moun qui t'a bambilé, puis a fait bah, saison pour a fini. T'as bien aimé parole, ça marche avec action. Da bien il marche avec action. Oui? Et s'il te marche avec action, il t'a bon en pile, il t'a important. Il t'a marche avec action. Aïe, aïe, monsieur. C'est saison la pire qui commence. Créole parler, créole comprendre. Monsieur le ministre, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les droits de la République, je vous installe dans vos fonctions de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Vous pouvez compter sur mon support et celui de toute mon équipe pour réussir pleinement votre mission et relever les défis qui vous attendent au tournant. Bonne besogne. Pour ce 12 mars... Voilà, c'était déclaration et Premier ministre et Gary Conny qui t'a installé ministre de Justice là, qui s'est mettre Carlos Erkel. Eh bien, justement, on va le temps de déclaration et nouveau ministre de Justice là, qui s'est mettre Erkel en autant délit, tout d'abord, après Premier ministre là.
À l'anniversaire de création de la police nationale d'Haïti, 12 juin, en guise de célébration, j'adresse une pensée spéciale en mémoire de tous les policiers et policières, ainsi que tous les citoyens, les citoyennes victimes de la violence aveugle et meurtrière des hommes armés. C'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Je tiens tout d'abord à remercier le Premier ministre Gary Conille et le Conseil présidentiel qui, de commun accord, ont fait choix de moi pour assumer cette lourde responsabilité. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que je mesure pleinement l'importance de cette fonction et les défis qui l'accompagnent. J'ai accepté de servir mon pays dans un contexte particulièrement volatile où la violence règne en maître et terrorise toute une population aux abois qui n'espère plus, qui n'a plus de confiance dans notre système judiciaire, d'autant qu'elle bute à de si grands défis qui paralysent son fonctionnement régulier. Nous vivons des moments et une période au cours desquels les enjeux judiciaires et sécuritaires sont nombreux et complexes. Bien avant le décès tragique de l'ancien président Jovenel Moïse, la situation sécuritaire laissait à désirer. Cette crise allait connaître son apogée avec des phénomènes de grand banditisme, la radicalisation des groupes armés, le siège des grandes villes de département et périphéries, notamment l'Artibonite et l'Ouest. L'économie est mise à mal. Les familles haïtiennes ne savent à quel saint se vouer. Elles sont victimes dans leur peau, dans leur chair, dans leur sang et dans leur patrimoine. Elles sont à la merci des hors-la-loi. Parallèlement, la plupart des institutions de l'État sont soit non fonctionnelles ou ne répondent plus à leur vocation. Au niveau de la gouvernance étatique, notre pays est à la traîne de tout ce qu'il y a de modernité. Il n'y a aucun élu présentement en Haïti. Les dernières élections datent de 8 années, contrairement aux vœux exprimés par la population à travers la constitution qu'elle s'est donnée. Malgré ce tableau sombre, depuis quelques semaines, avec l'avènement des nouvelles autorités, l'espoir semble renaître. À ce vent nouveau à notre horizon, il faut adopter les dispositions qui s'imposent pour des résultats concrets. C'est à cette tâche que nous devons nous atteler, et c'est à cette tâche que nous allons nous consacrer. Je m'engage aujourd'hui à me mettre au boulot en pratiquant certaines vertus qui me sont chères, telles l'intégrité, l'impartialité, et surtout faisant partie d'un groupe, d'un gouvernement dont la principale mission est l'organisation des élections pour permettre au pays de remonter sur les rails de la démocratie pour la paix, la stabilité et le développement durable. Cette responsabilité qui m'est confiée, je ne peux et ne saurais l'accomplir seul. Voilà pourquoi, tout en vous offrant la mienne, je mise sur la collaboration, la franche collaboration de toutes celles et de tous ceux, fonctionnaires cadres du ministère, de la PNH, surtout du CSPJ, des barreaux de la République, des associations de magistrats, d'avocats, de faire front commun avec nous en faveur, en vue de soulager la souffrance et la misère de la population livrée à elle-même. Nous devons avoir constamment à l'esprit
que la justice est un service public et comme tel doit fonctionner de manière ininterrompue. Aux membres de la communauté internationale, acteurs de la société civile, aux organisations des droits de la personne, vous serez les partenaires privilégiés dans cette quête de sécurité et de justice que nous nous fixons. Certes, les défis sont énormes, mais le divin a donné à l'homme l'intelligence nécessaire pour se colter aux difficultés et embûches qu'il est appelé à rencontrer sur sa route. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, les priorités du gouvernement auquel j'appartiens demeurent la sécurité et les élections. À ce rendez-vous, nous nous engageons de répondre présent. Toutefois, nous ne saurons ne pas mentionner et tenir compte de certains faits majeurs et d'actes de vandalisme qui constituent et ont de graves conséquences sur la vie dans la cité. Nous pensons particulièrement à l'assassinat des trois policiers récemment au Bad Delma, aux attaques suivies d'évasion des principaux centres carcéraux du pays, de la destruction et vandalisation des infrastructures de la PNH et de la justice, et pour citer le palais de justice de Port-au-Prince. Des individus, comme le PM vient de le rappeler, dont la place devrait être en prison, sont dans la nature et viennent s'additionner aux contrevenants à la loi et l'ordre d'une société civilisée et régulée. Des dispositions devront et vont être prises pour contrecarrer cet état de fait. Ces actions devront conduire à l'amélioration progressive de la sécurité. Les cours et tribunaux devront être mieux logés pour permettre aux délinquants de faire face à la justice et d'être fixés sur leur sort dans des délais raisonnables. Aussi, au niveau des instruments légaux, certaines réformes ont déjà été entamées ou méritent de l'être. L'entrée en vigueur d'un nouveau code pénal et de procédure pénale au regard du décret du 22 juin 2022 avait été reportée pour 2 ans. Dans l'intervalle, rien n'a été fait pour leur mise en œuvre ou les révisions de certaines dispositions ayant fait l'objet de controverses. Il y a donc lieu incessamment d'adopter les mesures idoines pour adresser cette situation. Également, on ne saurait passer sous silence certains dossiers brûlants à caractère administratif, comme le suivi de la nomination des juges, le traitement des magistrats debout, le traitement des greffiers, une meilleure synergie entre le CSPJ et le ministère de la Justice, revisiter les lois organiques du ministère de la Justice, avoir un nouveau décret sur l'organisation judiciaire, mais aussi un décret réorganisant le ministère de la Justice. Autant de chantiers qu'il faudra s'en occuper. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation générale du pays est préoccupante. Acta non verba. Voilà. Pardon, ces déclarations et M. Carlos Akil, nouveau mini-justice, et qui remplaçait Madame Sans Honte, Maman Sangouin, Maman Volo, Maman Lougaou, Maman Criminel, Maman Gang Sale qui t'a boué sang, Maman Territoire Perdu, qui t'a relé Emily Prophète Pilsé. Maman Sans Honte, ça qui t'a travaillé pour Joseph Michel Matéli et Dimitri Vob, le ministère de la Justice, et m'dit nous sommes toujours croisés dans Miami, surtout dans Downtown Miami, parce qu'elle est toujours croisé avec Neglio, et elle a toujours croisé les prenis. On a dit, on a fait des potes bagarres avec lui, elle est dame tête chargée. On a dit, elle est tête chargée. Et gros causé. Eh bien, madame, sans honte comme ça. Eh bien, femme capable. Franchement, le grand monde, oui. Mais sans honte, passe le bagage. Parce que le bagage, non. C'est voleur, oui. Naturellement, vous volez. Maman, vous volez ça. Depuis petit monde, depuis ça, vous pas bon.
y a pas bon monde. Vous comprenez? Eh bien, naturellement, c'était déclaration Carlos Akil. Moi-même, naturellement, m'a dit non que moi t'ai voulu, c'était pour jeune dame nan, qui c'est Dominique Dupuis, qui était doué. Alors, pardon. Et alors, pour ministre justice, nous souhaité c'était mettre Luc Mandelé. Si vous avez fait pays, si vous avez besoin, des gens qui sont responsables, ok? Des gens qui respectent tête li, des gens qui sont capables de mettre la paix vraiment, ok? Et des gens qui sont capables de venir battre contre gang nan vraiment, vous apprend et mettre Luc Mandelé. Vous apprend mettre Luc Mandelé. Ok? Mais comme c'est pas un travail sérieux besoin fait, mais ça qui cause, ouais, yo saute mettre Luc Man, yal tombe côté yo tombe ya. Mettre Carlos Akil. La vin la, j'en nou konn wèl déjà, et blablabla, c'est fini. Mais après ça, rien encore. Voilà, et en nous traversé, en attendant madame Dominique Dupuis, une intervention qu'elle t'a fait, l'an, et. Dans l'assemblée qui t'a faite dans UNESCO, nous n'avons pas le temps de jeunes demoiselles ça qui vini comme ministre de la justice. Je ne dis alors, pardon, comme ministre des affaires étrangères et des cultes. Et pour moi même, parce que c'est une belle tête qui nous gagne dans la diplomatie, hein, qui est dans la tête ministre des affaires étrangères, sont jeunes, parce qu'ils ont la chance et avec la jeunesse, surtout pour près de 40 jeunes que Dr. Claude Joseph t'a aidé. Et alors, je suis capable de dire, et pap, sur le concours, que Dr. Clusef a fait ça, Timounioti est passé, et bien Dr. Clusef a facilité de rentrer dans la diplomatie. Jean-Victor Généus avec l'équipe Lissou Ariel, il a humilié les jeunes. Mais j'espère que Mme Dominique travaille pour que les capables et les jeunes et reprennent place yo dans la diplomatie haïtienne. Et l'autre bataille, madame, parce que moi-même personnellement, m'bra les gars de comment t'as va bon bourre d'adn parce que ou sont jeunes femmes qui dans diplomatie m'pense que ou gen pile bagay ou ka fè, mais moi-même pour moi en tant que haïtien qui vivent en Dominicanie, m'pense qui gen pile bourre d'adn ka ba nou avec situation en Dominicanie politique affaires étrangères là, parce que nous pas gen un ministre affaires étrangères qui te gen caractère, qui a une dimension, qui est capable camper pour parler ensemble avec en face, qui pou te parler avec Roberto Alvarez et par rapport avec qualité des autres qui n'ont pas fait et sur Haïti. Tout les cas, si vous dites ça, vous voulez jouer, vous voulez le pipito, pas une personne qui a répondu. Mais qu'on y a maintenant, est-ce que le gouvernement qui est là a bien couru pour faire? Madame Dominique Dupuis à l'appareil, nous saluons, belle madame, et comme qui rivait, prend tête ministère affaires étrangères. Malheureusement, nos gouvernements sales, nos gouvernements santifort, nos gouvernements criminels, nos gouvernements assassins. Et bon, vous venez, Gary Koni là. Pas qu'on est si Gary Koni gen volonté pour tout bon. Mais j'aime li, elle pas venir, il pas venir gen santé et voir pour ta camper pour ta bataille en face criminelle. Bon. On avance. Je ne veux retenir personne de l'heure du déjeuner. On a eu une longue Madame Dupuis. Matinée, mais il était de mon devoir, en ma capacité de vice-présidente du groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes, de vous féliciter de votre élection et de vous remercier des premières remarques que vous avez prononcées, nous appelant à l'unité et au rassemblement. Et je vous souhaite, en ma capacité personnelle, tout le succès dans vos nouvelles fonctions. Madame la Présidente, comme vous l'avez dit, je souhaiterais remercier la région de la confiance qu'elle a placée en moi et dire quelques mots, une minute de temps de parole, pour la première fois dans l'histoire de cette arène, en créole, langue d'unité, langue de liberté et langue nationale d'Haïti. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, moi t'arrête même prendre la parole pour moi dire un petit mot tout court, tout fort, pour moi dire merci. Yon gros kokenchen, merci pour tout soutien nous. Parce que c'est la première fois dans l'histoire nous, dans plus passé 77 l'année présence nous dans UNESCO, que Haïti pral jouer rôle vice-président conseil exécutif là. Moi honoré en pile pour confiance nous, honneur et respect pour nous. Mais si c'est la première fois Haïti pral parler nan nom l'autre pays dans la région dans UNESCO, c'est pas la première fois Haïti gagne pour le penser avec l'Amérique pour nous parler nan nom tout frère accès nou yo. En effet, les Dessalines t'ont proclamé l'indépendance, c'est pas seulement pour lutter casser chaîne dans Kaila. Non,
c'était pour te faire l'esclavage kaba tout partout. Depuis saut sous mon tête Pilboro, rivé sous tête mon Machu Picchu. L'élite proclamé liberté, c'est pas pour haïtien seulement, mais c'était pour tout le monde, pour chaque grande femme et garçon qui sortit dans pointe au Mall Saint-Nicolas, rivé dans pointe Patagonie. L'ambi liberté te sonné et puis vent te brotel, dans toute plaine ak tout mon nou yo, traverser l'autre bord de l'eau, gaillé à la ronde badé dans le monde, rivé l'Afrique Guinée. Tant que président Pétion, l'élite coré Francisco Miranda ak Simon Bolivar dans l'année 1816 et puis embrassé bataille liberté dans tout recoin l'Amérique, Haïti fier pour li kapale nan non Gwilak nan UNESCO et puis pour li défendre intérêt ak valè tout pays nan région dans conseil là. C'est nan principe fondateur pays d'Haïti. Moi joine boussole qui dicte moi pour me faire tout ça moi capable pour organisation ça rempli mission li pour qu'il ti tout peuple ka boujonné pour éducation ka caché rete en seul côté pour la science pa gen moun pa pour tout pays ka parler nan voix parle pour tout moun ka pote kole et puis pour tout moun joine. Merci en pile ay bobo. Merci en pile madame et Dominique, madame Dominique Dupuis, et naturellement qui c'est madame qui a peine rivé comme ministre affaires étrangères. Yo fait me connaître cet avant coup de crayon Claude Joseph, et Claude Joseph là il a fait gros coup de crayon papa. c'est gros causé oui. Bon, de toute façon c'est coup de crayon Claude Joseph, mon cher, félicitations parce que moi-même pensais que dame ça qui rivé comme ministre affaires étrangères, moi-même mais ça. Son jeune 34 ans. D'accord? Bon, l'un sorti, nous avons un sang, un senti vicieux volé et sorti dans la tête des ministères et affaires étrangères. Après passage, Claude Joseph, bel passage, bel passage pour moi-même, que toute jeune t'es vraiment à féliciter et remercier Dr. Claude Joseph pour passage, pour gens qui te comporté dans la tête ministère et m'a capable de dire non. Et dans la tête ministère affaires étrangères, je nous te félicite, mais je dis, hein. Nous vins sortis dans voler vicieux les gens victoires génistes là on dit gamon sans honte et ben jodi an et gamon sans honte ça aller mais jeune qui remplacé nettoie à chon chaise neuf by demoiselle la main pas mettre chita dans même bureau côté vie voler ça te chita by madame non bureau neuf pour moi et le ministre affaires étrangères en même temps ministre des haïtiens vivant à l'étranger bravo mettez ton bel bureau pour madame non pour moi dans Miami et puis font passer main dans le consulat Haïti qui trouve le Miami pour nous. Faut passer main. Et madame m'a tout dit ça très bien. Et gon phénomène haïtien qui vole encore pour passeport. Non maintenant dans Washington DC. Il a fait passeport haïtien ou pas bel argent. Il a vole encore là. Et dans tout côté honnête. Ça a problème ça ne va l'évoquer lui. Ou même papa la Claude Joseph, on va aller les monsieur oui, on va aller les monsieur et parce que nous font pas la voix, font pas la voix madame. Ou vinn là moi son moi même yo dit moi mes pays en pile. Yo dit c'est un jeune qui remet pays. Et ou fou école et ou connaît avantage, un petit avantage pour jouer belle femme, n'est-ce pas les belles femmes, de belles femmes non. Bon, qui a compétence tout, et pas belle seulement non, belle femme, qui a compétence, tout bagaille arrangé lui, mais il ose. Mais quand pilote jeune qui belle et qui pas jeune chanceux, même espérer l'autre jeune tout, qu'on parcours et pas arrêter grien corps, perdre tête en bas sur TikTok, seulement ba grand gens. J'ai image nous mesdames. C'est n'est sérieux papa men, il a prend plaisir avec une femme qui mettait tête en bas. Mais madame Ali, madame Pali et mon Ali a fait Pali, il a gagné li en privé. Il a fait sortir pour aller dans Tropicana avec lui, il va dans classe avec elle, il a fait belle vie, mais ou même qu'a pendi à papa, il va dans Tony Mix avant. Dans Tony Mix, vous comprenez ça monsieur là et puis Tony Mix a chaud à pété et madame Tony Mix, madame monde de bien. Vous comprenez ça monsieur là, on pas jamais dans mi-temps nous, qu'a fait n'importe bagarre, mais sauf que fuck gain tout le monde parce que chaque pain gain fromage yo. Si moun yo bel, yo gen l'âge pour prendre plaisir yo, ke yo prend plaisir a yo. Ou men mwen, et mwen 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 la, fou papa, mwen mwen yo, le ap kale ko yo prend plaisir yo. Et c'est ça. Mwen mwen le ap prend plaisir yo, c'est ça. Et c'est ça. Ou men mwen mwen le ap prend plaisir yo, kale ko yo. Et c'est ça. Et dam yo prend plaisir pour tout bon. Et dam yo prend plaisir yo, papa. Et... OK. Mesdames, yo prend plaisir. Voilà, maintenant, et gien en pile causé et k'ap parler là et dans la République, en pile causé k'ap parler. Vous comprenez? Maintenant, et gien moun ki di Efoberto
et semaine ça m'a largué dossier bataille commandant Guy Philippe là madame Dupuis n'a font retirer sur écran et parce que j'ai pas madame nous saluons encore une fois pour arriver au tête ministère affaires étrangères et ministère des haïtiens vivant à l'étranger bravo madame Kembela m'konnon et moi même yo parle avec moi yo dit mon son monde solide son forme solide et demain c'est TV plus alors peut-être après-midi hein n'a pral et garder plus et bagaille que intervention côté fait pour nous faire petit balance ma voix et OK et c'est gros bagaille c'est ça et maintenant un peu le monde dit bientôt semaine ça m'a lagué bataille et révolution pour libération pays d'Haïti commandant Guy Philippe là m'a dit nous ça c'est bataille pam c'est bataille pam gen gens que menel commandant Guy Philippe gon ligne de combat et gon stratégie de combat li ou tout elle clair Guy Philippe pap bataille la bataille avant soulager la bataille avant sur long, sur longueur mais c'est peuple là qui fait tous les batailles là peuple là capable font bataille soulager ensemble avant ça veut dire que à la manière de Sri Lanka côté que peuple là faut porter bourré mettez monde qu'il veut retirer criminel retirer vicieux retirer d'assomman ou du moins peuple va aller droit vers les élections pour aller changer avec ça pour mettre monde de bien et ces deux batailles n'importe qui gens peuple a gagné quand même n'importe qui gens peuple a gagné quand même pas n'importe qui moyen peuple a gagné quand même qu'on y a à nous parler de dossier assassinat président Jovenel Moïse nous voulons j'aime moi côté docteur Garigoni j'aime souligner une fois dans déclaration qu'il a fait et que il était tout le président d'Haïti nous voulons j'aime tant de côté docteur Koni parler de ça ça veut dire que moi j'aime tant de côté Garigoni parler de dossier assassinat Jovenel Moïse. Si Gary Koni te connaît, puis sous des grandes soirs qu'on est garçon, et ou t'as un jour, raté. Sous des grandes soirs qu'on est garçon, ou t'as un jour. Ou t'as un jour, clair. M'dou ça clair, dossier assassinat Jovenel Moïse à garçon, pas que personne au monde, pas que personne, jamais personne, cap jamais capable de camper comme si m'da dit pour penser que dossier Jovenel Moïse a passé au papier, même dans rêve, et va passer très laide. Et seulement un pour la sortie belle. En d'un pays, ça devant peuple ça, c'est organiser ou commencer. Alors continuer avec aussi des projets Jovenel, tu commences déjà dans le pays pour peuple là. Ce qu'on va passer de côté et faire des bagages, nos chers ou à plaide en pile. Et c'est ça qu'on va plaide. Et gagner naturellement un dossier qui nous te prend matin, hein, nous te parler de lui, qui c'est Mackinson. Bon samaritain qui était dans l'hôtel Satama au Cap-Haïtien. Et ben Mackinson et pendant monsieur dans l'hôtel là et ça qui passé yo volo tout bagaille monsieur. Bon coffre fort monsieur gagne te gagne pile en pile l'argent, l'argent pour pays, l'argent pour peuple là. Parce que monsieur ça qu'il fait aider moun. Et ben yo en dans hôtel là cassé coffre fort. Il faut que nous relie chat là dans nol, faut que nous relie bœuf là dans nol parce que si hôtel là pas veut bay caméra, nous dit nous pas bay caméra, c'est que c'est nous volol, nous de bay cob là. Et faut que tout haïtien dans diaspora mette qui connaît De Mackinson là. Aider monsieur collecter $10, $15, $100 pour nous joindre l'argent pour nous payer avocat que ce soit local ou international pour dossier ça pas rester impuni. Faut que l'argent ça li remette. Et faut que Mackinson baille tout l'argent pour hôtel la remettre tout l'argent. Ce soit hôtel ça continue fonctionner ou bien personne ici pas jamais dans hôtel ça parce que yo ka assassiner n'importe moun dans hôtel ça. Nous pas accepter le comme ça. En nos pays gros ça hôtel ça, yo ka comme si rentre dedans prend encore ouvert coffre fonèg là, prend tout l'argent. Et puis, là, vient poser une question, ça nous répond ni, oh oui, ça l'a fait sur les réseaux sociaux, pas qu'à affecter l'hôtel là. Et puis, aïe, nous ne pouvons pas nous connaître là. Même pas, beaucoup de gens parlent à Mackinson un jour. Ça va être un symptôme pas la veille. Mais ça, c'est ce qu'on a fait, yo. L'a fait pour payer les amis, yo. Parce que l'établi est mon, yo. Mackinson songe, yo. Là, le prêt de $10, $100, $300 dans la diaspora pour compléter, pour construire caille pour malheureux, malheureuse. Ok? Construire caille pour moun. Mettez si moun l'école. Retire moun kap dormi dans la rue, mette yon dans kay. Fè moun yon men yon vie tant kou moun. Et bien nous décide pour une fin avec 14 ans. Sacrifice que nèg a fait pour un pays. Mackinson Border,
respect pour vous, chapeau bas pour vous, l'aime ou semblez, ou son nèg tête green même j'avais, ou son haïtien, pas dit que ou c'est haïtien ou abdi swap dat ou yap. Haïtien doit camper bokoto. Haïtien vicieux vole corrompu dans le pays d'Haïti. Vicieux yo, parce que haïtien dans le pays d'Haïti, il y a une quantité de bon monde. Mais conseil de petit vicieux vole dans Port-au-Prince et dans le pays d'Haïti en général, ou toujours a parlé en faveur de l'autre vole qui vole corbou yo. Mais haïtien conséquent dans la diaspora, il y a camper des dos. Et c'est que toujours camper des dos, je garantis, il y a continuer camper des dos. Mackinson, bon samaritain. Kembe la border ou pas pour contou. Chapeau babou. Bon samaritain. Voilà. Déclaration Jimmy Chérise Barbecue. Mes amis, moi-même ça, moi-même pas parler. Pas parler. Et bagayon en pile, papa. Barbecue font dernier sorti là. Et je vais partager l'ensemble avec nous. Barbecue passe sur l'autre bagay. C'est sous guerre civile la droite, barbecue yé. Et en avance, on a le de barbecue. Qui joue? Je dis à et je dis à qui joue? Je dis à mercredi 12 juin 2024. Pendant que je suis en train de me faire un peu de massisme, je suis en train de me faire un peu de café. Ok? Nous érigeons tête en tchoul, en cocorate, en tchoul grenègue, qui a fait business grenègue, et puis qui a marché tuer les gens qui semblent nous. Nous, écoutez, nous sommes là. Écoutez, chat, et pas chat, nous tracteur, chat, nous sommes là. Écoutez, gros tracteur, nous sommes là. Mais nous sommes policiers, Simon Delmade. Avant hier, ça qui est dans Charles, elle a fait un reportage à France 24. Quand c'était plus loin, on a sauté dans le ghetto, elle a besoin qu'on ait le frappé. Ou elle quitte pas pour sauver. Elle quitte madame pas pour la sauver. Et où que ça vient là, dans les qui viennent faire ma caca, qui dans l'Itag là. C'est ce moment-là avec nous. Il y a grand monde qui a grand monde qui a joué, grand monde qui a barbecue nous. Mais là même, nous avons fait ma caca. Ça n'a fait affaire. Et puis fini. Tout autant a fait violence là pour nous venir joindre nous. Tout autant a tué les gens dans le quartier populaire et tout autant dans le quartier populaire vient plus violent et a tué nous. Ok? Ben imbécile, c'est grand nègre avec politiciens qui te mettent des amis dans le quartier populaire. Je dis à eux utiliser nous comme tchoul, ils voient nous derrière elle. Dans les barbecues, ils prennent balle libadelle, ma côté mieux. Ma couille, je vais vous chanter pour nous et puis je vais aller me chanter. Top Polino. Nous mêlé. Notre ave. La police pas cagoumé. La police pas fait pied sol. Maman, pour qui ça va périlé? Papa, pour qui ça va périlé? Où te connais, job là son job c'est qu'un pour qui ça va périr. Delma 2, Delma 4, Delma 6, mettez garçon sous nous. Comme si nous allons être ici, fout zago nous à terre pour nous venir prendre. Et pas vieux tracteur qui a fait craser, et pas vieux chat qui a fait prendre. Tracteur à chat, pop qui a prendre. Attendez. Je vais démolir toute zone et puis tout grand nègre en bas d'Elma. Je vais craser tout ça net. Et Mais causé. Barbecue Jimmy Chérizier. Annoncer la couleur. Et barbecue définitivement, ou même si tout le monde démon, mais pour nègre qui te produit barbecue. Et m'espère que barbecue a tourné démon pour nègre qui te produit là pour tout bon. Parce que Pierre Espérance produit barbecue. Mais ça barbecue a devenu jouni jodi a. On pon gongon, on danger social. Mais barbecue fait exactement ce qu'il pour faire avec moun ou qu'il pour faire, mais bay peuple la possibilité pour le fonctionner. Moun Solino parle pour tête nous bay nèg avec zam manger nous sous prétexte que nous pral déchouquer bandi avec policier gang dandé. Policier Solino yo, c'est même yo même nan qui on a cherché renfort dans mes barbecue pour bataille pour nous contre nèg belé. Ça veut dire que je dis à qui ça passe. Il y a sans pitié pour nous. Et gang nan depuis ou depuis collaborer avec gang n'a sans pitié pour vous. On sait que madame avec politicien, depuis collaborer avec un politicien, à n'importe leur croiser nos bagages qui nous vol. L'a sans pitié pour nous dans nous dans ma code gars. OK? Pas jamais notre tolérance avec vous. Mon a fait ça qui bon, bat bravo pour lui, campé bon côté. Mais mon cher, ça m'attendait là, attendait là encore. Saisi. Je dis à qui joue. Saisi. Je dis à mercredi 12 juin 2024,
Pendant que je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps. Si M. Bom, si nous voulons, fais ça nous café. Ok? Nous érigeons tête nous en tchoule, en cocorate, en tchoule grenèque, cap veille business grenèque, et puis cap marcher tuer les gens qui semblent nous. Nous, écoutez, nous sommes là, écoutez, chat, et pas chat, nous tracteur, chat, nous sommes là, nous écoutez, gros tracteur, nous sommes là, nous sommes là. Mais son policier, Simon Delmade, avant hier, ça a été dans le chat, elle a fait un reportage à France 24. Comme si depuis le moment où on a sauté dans le ghetto, le babé se connaît le frappé. Ou même qui était pas pour sauver. Qui était madame pas pour la sauver. Et où que ce vin là, dans le qui vient faire ma caca, qui est dans l'Itag là. C'est ce moment-là avec nous. Il y a grand monde qui est là, grand monde qui est là, grand monde qui est là. Mais là même, nous avons fait ma caca. Ça n'a fait affaire. Et puis fini. Tout autant a fait violence là, tout n'est pas venu nous. Tout autant a tué les gens. Dans le quartier populaire, et tout autant dans le quartier populaire, vient plus violent et a tué nous. Ok? Ben imbécile, c'est grand nègre avec politiciens qui te mettent des amis dans le quartier populaire. Je dis à eux, utiliser nous comme choule, ils voient nous de elle. Dans les barbecues, ils ont balle de badel, ma côté mieux. Ma couille, ils vont te chanter pour nous, et puis ils vont aller me chanter. Topolino! Topolino! Après, les gens nous mêlent! Après, les gens nous mêlent! Nous mêlent! Notre travée! La police pas cagoumet! La police pas fait pied sol! Maman, pour qui ça va périler? Papa, pour qui ça va périler? Où te connais, job là son job c'est qu'elle pour qui ça va périr. Delma 2, Delma 4, Delma 6, mettez garçon sous nous. Comme si nous va être ici, fout zago nous à terre pour nous finir prendre. Et pas vieux tracteur qui a fait craser, et pas vieux chat qui a fait prendre. Tracteur à chat, pop qui a prendre. Attendez? Je vais démolir toute zone et puis tout le grand en bas d'Elma. Je vais craser tout ça. Net! Tête chargée. Haïti, tête chargée. OK? Haïti, tête chargée. Et bagaille en pile. Bagaille en pile, lui. Causez en pile. Mais espérez que gon bagaille qui fait. Mais m'a dit en tout cas, malheureusement, peuple va comprendre. Bataille commandant Guy Philippe là. Déclaration commandant Guy Philippe yo. Stratégie commandant Guy Philippe yo. Et ça que le dit le tap fait yo. Malheureusement, peuple ça pour que j'aime comprenne. Si yo te comprenne, nous tap sauvé en pile vie. Et encore une fois, je dis à Mabdil. Chapeau bas pour commandant Guy Philippe. Chapeau bas pour commandant Guy Philippe. C'est seul leader pour moi-même qui t'a pidi n'sot nan sa, son pa fon ben de sa. Seul leader qui t'a permettre nous sot nan sa, son pa gon ben de sa. A part de ça, Pita Bral Petris. A parlé ça? Pita à Petris. Quand nous grave, situation nous parle plus compliquée que jamais. Veille en haut, veille en bas. Mettre quoi? C'est lui qui veille quoi? Samouya, li pa piti. Que bon Dieu continue à veiller sur chaque grand haïtien. Que bon Dieu dans le ciel là, punit tout politicien haïtien qui fait pays ça mal, qui mette là.
que bon Dieu garde chaque grand compatriote haïtien qui vit dans Port-au-Prince. Merci en pile tout le monde. C'est un plaisir pour d'avoir nous. Rendez-vous en cassé tout à l'heure comme ça. Que bon Dieu bénisse chaque grand nous. Que bon Dieu bénisse Haïti chérie nous. Moi-même nous en pile.